Je m'en fous. Grande dame, Daïli, tu définis belle vie comment? Pour moi, je la définis comme une personne qui a une tête très bien faite. Par rapport à son écriture, okay. Nous avons plusieurs témoignages. Très bien. Et que belle vie, elle dirige en même moment, elle réalise. Elle réalise. Elle écrit. En même moment, elle écrit. Loba, na résumé ne loko. Mozuya passe. Aéba passe à Baninga. Je résume par là. Très bien. Mozuya passe. Aïbara passe à Baninga. Elle sait se mettre à la place des autres. Ça, c'est magnifique. Parce que dans Moukilio, quand les gens ont des problèmes, quand les gens. Problème, ils ont la maladie. Problème, ils ont fait. Personnellement, j'ai fait beaucoup de temps, je ne passais plus. Mais à travers Bella Production, je suis revenu là, et tout le temps sur la brèche. J'ai Zongi. Dis-moi qui peut dire. Je comprends. Maintenant, c'est à partir de Bellar Production, de Madame Bellevue TV, à Luki, ba ancien Wanao, ba Kendaki, ba Limoaki, ba Bungaki, à Zombisi Bango sur le marché, à Zombisi Bango sur le média. Ok, alors si on va sur le média, et là on va les bosser déjà. Ok, auto qui pour la fière par rapport il y a une autre. Ok, mon frère, s'il faut le bazar ici dans le média, la cassette T, la cassette T, la CDT, l'internet, la YouTube, comprendre. Donc maman là bas tu vas bosser dans qui bango, et puis bango mokopé, ba maman là bas papa wana, parce que qui n'en a pas ça wana, il y a qu'au zong dans le milieu, il y a qu'au travail, mais bande avec au bon côté, bah au salon, dans mécanisme et c'est belle vue. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. En tout cas, c'est un rendez-vous au Tozuna Top Media Télévision, justement pour accompagner cette grande dame avec toute l'équipe. Il y a Bellar Production, il y a Copé Sabino Ambiance, il y a tournage avec Bellevue Kondi et aussi Bellevue Télévision. Comprenez que Awanaza n'a lié à tournage, n'a eu la bino. Bah, image ou yo esengeli, bah, réaction, esengo, émotion, sentiment ou yo donc ezalaka tout autour ya ba maman ou yo erba salaka moussala na bango. Famille Libota, je vais vous rappeler quelque chose. Mituna, pourquoi on m'appelle Famille Libota? Oza Famille Libota pour nanini? Et pourquoi tu es Famille Libota? Est-ce que des actes que vous posez, c'est réellement moutou ou ya famille a koki ko pose ba acte wana et pas ndekonaye ya famille? Famille Libota. La famille est sacrée, tout le monde est famille Libota. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent, na Nigeria, quand vous arrivez, vous sentez que non, il y a nion sonakati, décoration, machin, truc, ezakitoko. Tout ça, c'est parce qu'il y a un groupe de gens. Tout ça, c'est parce qu'il y, y a l'organisation gouvernementale. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des personnes conscientes. Oh, yo, ba moni ete. Bande konabiso bazoko sala musala ya malamu, nous devons accompagner musala au bazoko sala. Koza la famille Libota te place au moni batie miniature ya mama Bellevue, bazo fingaye, bazo lobelaye ma be ale bo kyoko tonda wana na live wana pour bo luka mwebo commenter, bino pe bo luka mwebo laksa ete biso toza famille Libota. Famille Libota la kisango na misala. Focus boulot, maman apesaka mot d'ordre les jours de son anniversaire. Soyons concentrés dans ce qu'elle est en train de faire. Si réellement tu es famille Libota, apporte un plus dans ce que fait Bellevue Kondi. Au coquille quoi apporter un plus dans un anin netiboye. Je sais que bakolobana bangote, peut-être le CG à Kosilika, peut-être les bureaux pay à Bellevue Bakosilika, peut-être aussi maman Bellevue ne sera pas contente avec moi, mais laissez-moi vous expliquer. Ou bien laissez-moi ya ko 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 ya
des fois ils souffrent pour ce qui concerne le site. Mais yoza famille libota, yoza congolais olinga théâtre ya bandekono basalaka, yoza congolais olinga ka Bellevue olinga musala ya famille libota, oza la famille libota, oza la famille libota teme oza congolais olinga théâtre, mais okoza la naba immeuble, okoza la naba appartement, okoza naba site moi qui toko. Mais pour apporter soutien à yo et pas à maman, même à ta pour nous faire sa bango, si tu as tout un problème, je lance ce message. Je sais que je vais entrer en contact avec le bureau pour vous permettre. Si vous avez des sites, vous avez des sites à site Kitoko, appartement à Kitoko, banda à Kitoko, même à Tandaku, et à Nango Kitoko, mais c'est présentable pour que ma maman ou le papa va tourner. Le numéro est affiché, je vais faire de mon mieux pour entrer en contact avec l'équipe Yabela Production, nous sommes en contact pour que nous puissions visiter Sitwana, nous avons un contact pour que nous puissions en contact. Nous sommes là justement pour le tournage, rien que pour le tournage, Topé Sabino Ambiance, nous sommes en tournage Awa, avec Bellevue Kondi et plus les acteurs et les actrices, nous sommes en Awa. C'est-à-dire la passion avec Topé de la télévision. Merci. Et dire tout simplement ouvrier. Ouvrier. Donc mon nom est Daily Lor. Ce que veut dire tout simplement l'ouvrier de l'or. Langue maternelle, là tu es de quel côté? Là je suis partagée en fait. Oh, tu es partagée d'où? De l'Angola. Ah ok. Voilà. Tu es bilingue, you is bilingue. Dans un peu ça. Hein? Voilà. Daily, le meilleur moment pour un acteur, c'est lequel? Lorsqu'elle est sur scène. Lorsqu'elle est sur scène. D'accord. Entre coupé et action, Daily préfère quoi? Action. Action. Pourquoi action? Parce que c'est là que je m'exprime en fait. C'est là que tu t'exprimes bien et là tu te sens très mieux. Voilà. Voilà. La première fois où Daily était sur la scène, c'était comment? Et les Kandengen? C'était un peu difficile parce que c'était la toute première fois, donc tout début a toujours des difficultés. Très bien. Donc, mais avec l'aide des autres, ça fait ses trucs. Voilà, ici nous sommes chez Bellart Productions. S'il faut parler de Bellevue Télévision, tes impressions et Kozalanine par rapport à tant d'ognons que vous avez eu quand même à travailler avec cette maison de production Bellart. C'est une entreprise. Oui. Il y a une entreprise où il y a plusieurs jeunes qui ont été. Nous autres, tels que moi là, plusieurs personnes m'ont découvert à travers Bellart Productions. Donc c'est une chaîne où on est en train de promouvoir les artistes. Très bien. Donc je dirais, je n'ai que de bonnes impressions et je crois que j'ai fait de fleurs. En quoi Bellevue est-il dans ta vie professionnelle? Donc plusieurs choses en fait. Sur scène, déjà, c'est quelqu'un qui sait coordonner, diriger. Elle sait dispenser la matière, Très bien. Je peux le dire comme ça. Donc ça nous aide un peu. Et ça nous aide aussi beaucoup professionnellement. Ok, très bien. Daily, je suis toujours avec vous. Bon. Excusez, hein, ce n'est pas une émission, c'est plutôt, on appelle, ça s'appelle l'ambiance du tournage. Et du coup, Ernaïe Kokuta Bangwa ou Afobazwa, tout profiter pour Bangwa, il y a un moment difficile pour Kokuta Nana Bangwa. Voilà, on appelle Bellevue Poutine de l'écriture, l'Okapi, beaucoup de noms sur cette grande dame. Daily, tu définis Bellevue comment? Pour moi, je la définis comme une personne qui a une tête très bien faite par rapport à son écriture. Okay. Nous avons plusieurs témoignages. Très bien. Et à chaque fois que maman écrit, vous sentez qu'il y a de retombées et dans la positivité. Donc voilà pourquoi je peux dire que c'est quelqu'un que Dieu a placé sur ses chemins. Vraiment du côté écriture. Dieu l'a placé. Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à Onion Sobato Balobaka sur la vie professionnelle de Bellevue Kondi? Je ne sais pas dans quel sens en fait.
nakati ya comment dirais-je dans le sens propre, j'allais dire sur le plan professionnel. Tout ce que les gens racontent sur la vie professionnelle de Belleville conduit. Yo en tant que moko ya batu OEP aujourd'hui, si on parle de Daily, c'est grâce à Dieu ou à Sala à travers Belleville Télévision. S'il faut ajouter un plus par rapport à vous et Kozalani. Ben, je sais pas ce que les gens racontent, mais moi je la trouve toujours normale, une personne bien. Professionnellement, elle ne fait que diriger, coordonner. Donc, elle ne fait que son travail, en fait. Très bien. Je ne sais pas ce que je peux dire de lui. Parce que je ne sais pas de quoi on parle. Donc, voilà. Daily, cette vidéo, je vous donne l'opportunité quand même de parler avec vos fans. Okay. Si vous avez des 3-4 personnes, ou d'habitude, au dédicace à Bango, mais dans des films, vous savez, avec la poutine, c'est trop difficile de dédicacer Bango à travers ces films. Alors, à travers cette vidéo, Top Media vous donne l'occasion de dédicacer vos amis, la famille, si vous avez des personnes à qui vous pouvez bien remercier d'ailleurs. Déjà, je commencerai par souhaiter le vœu de bonheur à tout le monde, meilleure vie à tous mes fans, meilleure vie à toutes les personnes qui passent au moins leur temps de donner de critiques positivement ou négativement. Ça a toujours été le bienvenu. Et je peux dire que bon ami à tout le monde, à ma famille. Déjà, je commence chez mon frère, Percy, Yézo Kodabide, Marlon Mubenga de Papa Isis, Maman Jeannette Possélé, et la famille Moniaga, toute la famille Moniaga. Là, je vois Valérie Moniaga, et à tous mes fans. Ils sont tellement nombreux que je ne saurais citer les noms de chacun d'eux. Donc je ne peux que dire de meilleurs vœux à tout le monde et à toute la famille Libota. Donc famille Libota, nous sommes Bambote Nabino. Et tous à la Zalakara comme d'habitude, vos remarques, vos suggestions, ils seront toujours bienvenus. Voilà, Daily, nous sommes déjà le vendredi aujourd'hui, si je ne m'abuse pas, Isali. Quantième jour déjà il y a tournage? C'est notre cinquième jour il y a tournage. Wow. Vous tournez tous les jours? Chacun de nous a un piste là. C'est pas tout le monde qui tourne au même moment. Donc, tel que moi, aujourd'hui c'est mon jour. Donc, voilà. Très bien, Daily, merci. On se voit quand déjà chez Top Media? Ici, le rendez-vous se passe devant la caméra. Je vous dirai quoi en privé, au fait. Parce que je ne peux pas dire une date. Chez nous, on dit. Parce que c'est la date d'un jour, ma cambo. C'est vrai. Je ne vais pas donner une date et si je ne réalise pas, et ça ne sera pas bon pour mes fans. Très et bien. Je rappelle à tous mes fans que mon anniversaire, c'est le 12 décembre. Donc, déjà, c'est 12 décembre, le, je fête mon anniversaire. Le 12 décembre. Ouais. Déjà, le lot le premier. 65. Non, c'est 65. 75. Ah, ok, d'abord, c'est 10. Voilà, Daily, je reviendrai dans deux petites secondes, mais je voudrais juste poser de loin une petite question à Maman Mokouzi, Maman Sylvie. Vous allez bien? Oui, bien, merci. Ah, tournage Ezo Lekande ni moi, Bana. Oui, bien. Bien, Dieu vraiment nous assiste. Vous êtes une femme mariée. Omi Kabolandenginin, parce que hier j'étais là avec vous. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Une question. Bon, Eza Mabé. Bon, une question, s'il vous plaît. J'étais là depuis hier. Je voyais comment est-ce que Ozalaki au four au moulin. Aujourd'hui, tu es là, peut-être avant tout le monde. Omi Kabolandenginin, Bon, je dirais c'est juste question de planification. Très bien. Il ne travaille pas, mais Alain va partir à 15h. Ok. Mais Alain est d'accord. Ok. C'est juste question de planification. Et Dieu m'a fait grâce aussi de trouver un homme qui n'est pas très compliqué. Mais du moins, je n'abuse pas de sa confiance, bien de la liberté qu'il me donne. Très bien. Je sais toujours me planifier. Planification quand elle est sous ma main. Très bien. Voilà, Bel Air Production est une machine de production, comme je disais tantôt. C'est quoi vraiment particularité à Belleville Télévision, contrairement
na ba film mususu oyo otalaka na télévision. Bon, s'il faut parler de particularité, c'est plus que nous, c'est on touche plus sur le côté social, côté réalité. C'est qui se passe quoi, même dans la vie quotidienne, tout. C'est notre particularité. Ok, voilà. Aujourd'hui déjà, Tozo tourner film et Nini, puis tournage, ça prend souvent combien de temps? Bon, souvent, déjà 4 jours il y a tournage, mais il y a film et Oyo, Tozo 5 jours. Parce que les jours, il y a du boisson et c'est même que ça là-bas, là, quelque part. Et puis, on était aussi dérangé par la pluie. Imaginez-vous que aussi ça du tournage. Il y a d'autres, même, ici, à 22h30, 23h. Ok. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça, mais d'habitude, c'est toujours 4 jours. Et on planifie tout. Voilà, un mot pour la famille Libota. Famille Libota, tout le monde est famille. Je vous aime beaucoup. Sylvie vraiment vous aime. Je prends le temps de suivre vos commentaires, vos reproches. Et je vous dis merci. Ceux qui le font bien, je vous dis merci. Et ceux qui le font aussi pour me blesser, je vous dis aussi merci. I don't know problem is moto is moko is it. Je n'ai pas de problème, je vous aime. Déjà famille Libota, donc c'est déjà une famille. Très bien. Donc, on vous aime beaucoup. Continuez toujours à consommer nos produits. Continuez toujours à être là pour nous. Et bon Dieu va nous amener encore plus loin. Merci beaucoup. Pasteur. Oui, bonjour Tati. Vous allez bien? Moi, je vais bien. Vous mangez bonne mine. Dans ce délire, tout va bien. Tout va bien. Oui. Voilà, à mon tournage. Oui, à mon tournage, je viens de quelque part et puis je vais terminer quelque part. À moi, je vais à la bien. Mais je suis à mon quelque part, je vais à la salle de tableau. Voilà, Papa Serge, toujours à pied levé, comprenez qu'il y a une ambiance à tournage, ils ont déjà. Ils ont déjà. Voilà, Papa Serge, aujourd'hui, Belvicon dit productrice, Belvicon dit actrice, Belvicon dit aussi en même temps, Namakambo et Bélé. Qu'est-ce que vous gardez comme un souvenir? Pour nous, Italie, Mosala et à Bellevue, Oyo, Bino Bossali, en mode depuis Kala. Et Bellevue est assidue à son travail. Ok. Elle est très assidue, je vous dis sincèrement, sans la flatter. Ok. Sans la flatter. Et Bellevue dirige, Bellevue réalise, Bellevue écrit. Ok. Donc, c'est que je peux garder comme souvenir, mais il y en a plein. Il y en a beaucoup. On ne peut pas tout citer à la télé, sinon, il y a la communauté nationale. Mais c'est que les gens doivent retenir que Bellevue, elle dirige en même moment, elle réalise, elle écrit. En même moment, elle écrit. Voilà, lorsque vous voyez Bellevue, pensez-vous que demain, si Bellevue se disait, ben, écoutez, je veux maintenant laisser les théâtres congolais, je veux abandonner les théâtres pour me concentrer à autre chose. La communauté congolaise, la culture congolaise, ben, qu'on a la fière na Bellevue, ni l'okoni. Lorsque vous regardez tout ce qu'a fait Bellevue. Vous savez, aucun homme n'est indispensable. Il y a toujours des gens qui peut-être copier le colonaïe. Mais la fierté du théâtre congolaise fait son écriture. Ok. Ces pièces éducatives, hein? Ces films éducatifs, ces pièces éducatives, il y a un des rosa, la mémoire, il y a battu. Ok. Il y a un bon battu, il y a un roi à souvenir. Ok. Mais sinon, si elle décide aujourd'hui, et de laisser le théâtre congolais et comprenons qu'elle va laisser un vide. Ok. Un vide, et oui, peut vous en avoir momentané, et oui, peut vous en avoir un vide entier. Ok. Hein?
Aucune personne n'est indispensable. L'évolution, il y a tournage. J'en suis sûr, le Zali Jorasuka. Oui. Et l'équipe, très bien. Très bien, j'ai été un papa arrogant. J'ai été un papa arrogant, un papa vantard, parce que je suis Luba. Je ne veux pas que ma fille, je ne veux pas que ma fille se marie avec les Bakongo dans cette famille. C'est un voyou, hein? C'est les parents. C'est un voyou. Ce sont les parents de mon gendre, de mon faible gendre. Parce qu'il est mort. Ce sont des Bakongo. Mais on dit, oui, c'est la chose. Mais bon. C'est la chose? Oui, oui. Mais ma chose. Chose. Bonjour, papa Gia. Papa, bonne santé. Oui, ça va, santé, ça bien. Comment bien? Boulot, peso qui est bien. Oui, peso qui est bien. Voilà, nous sommes là pour quoi? Ici, là, maintenant? Oui. On est là pour bosser. Pour bosser? Oui. Dans le compte de quelle société comme ça? Bellarty. Bellart Production, j'allais dire. Tu allais dire? Bellart Production. Ok. Belle Vie Télévision. Belle Vie TV. Ok. Voilà. Papa J.R. Hein? Voilà, Papa J.R. Vous allez parmi Papa Oyo, Sali Fieritaire, pour ça, là, Oyo. Donc. Aujourd'hui, vous continuez à faire ça. S'il faut avoir moi le loba par rapport à ce que fait votre sœur Belvie Kondi, et que ça a niveau ni. Premièrement, c'est pas donné à tout le monde, et surtout pour une femme. Tu sais, tu as un. Culture la vie, nous les Africains, et précisément le Bantou. Tout le monde a moi si Ayaka Sima. Mais au moment où moi si Abini, Batoumini, Batarana doute. Et pourquoi avoir des doutes? Oui, c'est un être humain. Elle a le droit de faire ce que nous pouvons faire aussi, nous les gens. Okay. Alors, pour dire que le niveau est à Koumé. Je suis un peu plus de moi et ton père, nous avons des fleurs. Mais bébé, il est en ça. Vraiment, je dirais un grand merci à elle, puisque tout ce que Bissot a mis comme conseil, comment tombe le cinéma dans Bissot, pour comment vous chiter. Mais les autres sont sur l'étoile. Donc, un grand merci à elle. Est-ce que Belvie cause à la modèle pour la jeunesse au réseau Anassima? Bien sûr que oui. Si aujourd'hui nous suivons même ce que le chef de l'État dit, Félix Antoine Tshilombo, ce que lui dit, à l'obagin est tout favorisé par lui. Banamboka. Voilà. Belvie à moi, Namboka. 100% de père et de mère. Alors, il y a ça, il faut que tout tombe là. Et qu'elle est toujours l'école. Et à chaque fois qu'elle va faire appel à moi, quelle que soit le difficulté de place dans vos âmes, je ferai de mon mieux pour venir. Pourquoi on a qu'on contribue les locaux qui sont au salon, qui sont au monde, 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 qui sont au
Merci Papa Gère. Je veux revenir deux petites secondes. Tonto Vini, bonjour. Bonne santé. Toujours présent. Hein? Ah oui, hein? On est là. Voilà, Tonto Vini, nous avons la question. En tout cas, je voulais assez que cette question, un comédien ou collègue Moko et Maman Bellevue à répondre. Okay. En quoi aujourd'hui la société congolaise Bakoki cause à la fière na Bellevue Télévision, bien qu'elle tourne, bien que Azo réalise ba film tous les jours et chaque mois elle a des productions. Bakoza la fière na Bellevue nani. En société congolaise tu as dit. Ok. Bakoza la fière na Maman Bellevue. Déjà. C'est parce que Maman Bellevue Azo ko. Ça là est fort mort. Il y a un moment donné, ma maman est belle, ma papa est belle à théâtre, on a vu ça, bah limoi qui na média, bah limoi qui na ma production, ok, bah limoi qui média. Et comprendre. Maintenant, c'est à partir de Bellard Production et Madame Bellevue TV. Aluki luki luki ba ancien wana o ba kenda ki ba limwa ki ba bunga ki azomi si bango sur le marché azomi si bango sur le média. Ok, azomi si bango sur le média le lo ba li boso déjà. Ok, moto ki ko la fier par rapport ya lo ko wana. Ok, mon frère, si fo lo ba zomi si na média na cassette te Papa n'a pas maman, parce que c'est pas moi la média, dans internet, Libanda, la moni, la moni, la CP, la CP, la jeune amie. Et en dehors de ça, moi je l'ai toujours dit, s'il faut aujourd'hui une photo d'Anga, la chaîne, ils ont pour ça, là, pour continuer, pour faire exister théâtre, cinéma congolais. Ok, mais la production. Bonjour. Bonjour Papa Kofi. J'espère que ça va. Hein? Oui, ça va très bien. Vous. Je suis en faisant un tournage, ça va et Dieu nous protège. Ah, Dieu vous protège. Oui. Combien de temps déjà au Papa Kofi Azo est vrai dans mon salle à théâtre? J'ai terminé en 77, mais avec Chitengen Sana, c'était vers les années 79, 78, 79. En fait, c'est depuis 80 que 1980 que je suis en train d'œuvrer dans le monde du cinéma. Okay. Parce que le cinéma et le théâtre, c'est deux choses différentes. Très bien. Ouais. Ok. Donc, voilà. Vous avez tellement l'expérience, contrairement à Bande Kouébélé. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le théâtre congolais, est-ce qu'il y a l'évolution, il y a l'amélioration, il y a l'avancement ou bien Tozaka Plaswana? À un moment donné, le théâtre, le cinéma congolais avait vraiment progressé. Et puis, faute de moyens, parce que les autres, le cinéma, c'est un monde qui demande de l'argent. Très bien. Certains pays africains ont copié le Congo et ils ont beaucoup plus progressé par rapport à nous. Mais maintenant, de plus en plus, le cinéma congolais essaye de faire un pas vers l'avant. Oh, mais c'est difficile. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? C'est toujours le problème de finance. Ok. Le problème de finance. Mais j'espère que ça va aller. Auparavant, il y avait des producteurs hier. Aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs. Gloire à Dieu, il y a au moins Bellevue qui est là. S'il faut définir Bellevue actuellement, pourquoi définir Yendine?
Nous avons posé la question. C'est-à-dire, auparavant, il y avait des producteurs. Oui, effectivement, on a connu des producteurs. Quand on a fait, par exemple, Kilimanjaro, Super Kilimanjaro, etc., etc., il y avait des gens qui n'étaient pas ici, malheureusement, qui venaient de l'Occident et qui mettaient le moyen. Et on faisait un travail de titan. Mais à un moment donné, avec l'apologie de la technologie, on a connu des difficultés. Mais maintenant, des gens, tels que Bellevue, avec le peu de moyens qu'elle a, mais qu'elle arrive à nous payer conséquemment, qu'elle arrive à tourner de façon continuelle, je l'encourage. Je la félicite. Je l'encourage parce que il n'est pas donné à tout le monde de faire le sacrifice qu'elle est en train de faire pour que le comédien ne se sente pas abandonné. Parce que si nous devons dire les choses en face, si nous devons voir les choses en face, en fait, notre gouvernement, quand nous prenons le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est le gouvernement qui... J'ai eu cette petite chance d'aller à Lagos, par exemple. Il y a toute une cité, comme la cité Salongo. Mais c'est une cité qui appartient au ministère de la Culture. Si vous voulez réaliser un film, vous faites de demandes, etc. On vous accorde tout. Mais ici, chez nous, rien n'est fait. Donc, le cinéma, le théâtre est abandonné entre les mains des individus. Je pèse bien mes mots, des individus. Et comprenez, c'est difficile. Mais ceux qui arrivent à le faire, nous devons les encourager. Pouvons-nous croire qu'avec Bellart Productions, demain, on aura l'industrie cinématographique au Congo? C'est mon souhait le plus ardent. Un jour, avec le cinéma congolais, avec le producteur, ceux qui produisent maintenant le cinéma congolais, qu'on arrive à avoir toute une société de cinéma. Toute une société de cinéma. Quand vous allez aux États-Unis, Hollywood, quand vous allez un peu partout, il y a de grandes sociétés. Mais un jour, nous espérons, Dieu aidant, avec Bellevue, avec Bellart, on arrivera aussi à avoir des comédiens réputés sur le plan mondial. Okay. Et continue, nous sommes en plein tournage. Hein? Il s'appelle Monsieur Lentello. Bonjour. Je ne suis pas plus intello que tout le monde. Hein? Non, je dis Monsieur Lentello. Ah oui. Il y a une grande différence entre Monsieur Lentello et puis le plus intello de tout le monde. Voilà. Bon boulot. Non, boulot kitoko. Dès qu'on monite aux autres travailler, boulot kitoko, vraiment film européen. Voilà, Bellevue Kondi, Bellevue Télévision, Bellart Productions. Comment vous définissez d'abord cette dame sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, c'est une dame qui aime bien son travail. Okay. C'est une coach. Elle coach bien les artistes sur scène. Et elle est formidable. Elle aime, elle adore, elle raffole vraiment son travail. Très bien. Elle est comme une motivation pour moi. Elle aime vraiment son travail. Elle s'y met vraiment. Voilà. Aujourd'hui, Bellevue Télévision est devenue une marque. Est-ce que Bellevue a Koki Kozala aujourd'hui un exemple à suivre pour Nabano Bazoya Nassima? Oui, il y a des exemples à suivre pour la discipline. On ne la voit pas sur le plateau des émissions. Elle ne dit pas des histoires sur les autres. Elle est concentrée, focus dans Moussala ou Yazosala, la chaîne Naye. Il y a aussi l'effort que chaque mois, Azara toujours n'a pas film dans la boîte. Oye Sili, Oye Koti. C'est vraiment, il faut travailler d'arrache-pied pour son public, pour ses fans, voilà, pour son plateforme. Voilà, vous avez parlé sa plateforme, pour sa plateforme. Voilà, vous avez parlé des émissions à la télé. J'étais aussi surpris d'apprendre que vous aussi, vous avez mis point na passage na ba émission, surtout il y a internet. Pourquoi cette décision pendant que vous avez encore devant vous moi temps et belé carrière et zana no moulaï? Pourquoi qu'on a décision on a de ne plus passer
na émission ya YouTube. Bon, en fait, il y a une nuance. Pour les canaux émission, il y a internet pour parler que de moi, de ma carrière, de ce que je suis en train de faire ou d'envisager de faire. Là, il y a pas de souci. Mais si seulement on m'appelle sur un plateau de télévision pour me chercher des problèmes en mettant des titres qui ne sont pas bien, où il faut créer les artistes au bas problème. Parce qu'il y a des gens, au bas, tu n'as même pas émission, na titre cas, au bas, internet, bah, il y a déjà des insultes qui s'en suivent. Et puis, si je passe sur ton plateau de télévision, ne me parle pas de X ou d'Y ou des conflits de X ou d'Y. Ça nous crée des problèmes parce que, yo, le bas bien, les gens malforment, les gens déforment toujours nos dires. Lorsque nous passons, na quatrième émission, na bango. Mon émission, Ningo Banda, na début, les gens, ils prennent que des endroits où il faut créer des problèmes, où il faut mettre en gros, temps fort. Temps fort. Mais dans ces temps forts, ils choisissent que des temps, problème avec les autres. Tu es bien dans la communauté, très peu de gens, tu as la rémission en amont et en aval pour que tu aies sa avis dans Bango. Chez nous, il suffit que le junior a touché bordure. Les gens commentent déjà sans pour autant. Coco, tu as peut-être un fin fond, il y a une émission pendant le temps. Alors, je déplore ça. Je suis très touché, très, très choqué. Parce que récemment, j'ai été sur un plateau de télévision. Mais les gens ont interprété ce que moi j'ai dit autrement. Alors, je me suis décidé que ce qui aura une émission, non seulement que tu vas me payer, mais que tout n'a pas ma kambou, il y a gauche, il y a droite, il y a tout n'a pas seulement ce qui me concerne. Je ne serai pas sur des plateaux pour parler des autres. Très bien. Voilà, parce que moi-même, je suis une star, une vedette, j'ai ma carrière. Oh, il faut na lobela. Ça vous dérange aussi les insultes de gens dans les réseaux sociaux, surtout lorsqu'on vous insulte, vous, les comédiens? Bon, quand les gens nous insultent, c'est vrai, ça nous touche. Parce qu'en dehors du personnage, tu appelles Batou. Le quoi Batou, tout, toi, na makila, maï, nous avons des émotions. On peut réagir comme tout le monde. Donc, ça, la folie, et on peut sortir, ça, la sortie médiatique, mon repos, peut-être, comment on peut sa droit de réponse dans Batou, mais ça ne va pas arranger ceux qui t'aiment. Ceux qui pour eux au koki kobimate au lobango, ça nous touche. C'est pourquoi on a la solution. Je ne regarde pas, je ne lis pas les commentaires. Donc tous ceux qui m'insultent, tous ceux qui disent du mal sur moi, n'a pas commentaire abusivement, baye bako bazo sa musala punda, parce que moi je suis le Saoul par sympathie. Voilà. Bellevue Télévision, lorsque vous venez, c'est pour jouer ou justement pour participer dans des projets de Bellevue, qu'on dit. Parce qu'il y a la différence entre participer et puis jouer sur scène. Voilà. Bon, nous on est dedans. On est dedans, on est dans le bureau, on travaille. On est dans la production, nous travaillons. Mais cela ne nous empêche pas, en tant qu'artiste, d'aller partout où Moussa les Ali et Gobenga Bissot. Très bien. Donc, nous, on n'est pas dans des conflits ou quoi que ce soit. Nous sommes des artistes Yabatoutou. C'est vrai qu'on travaille avec Bellevue. Cela ne veut pas dire que pour tout travailler en Bellevue, qu'on ne peut pas servir les autres. Les non. autres. Et elle-même, je ne pense pas qu'à quoi vous conseillez, Moutou, que ce soit Bengi ou Kuna ou Kendete. Je ne pense pas. Parce que ça, si comme ce soit Batou Bakanissa, que. Hasard en conflit na bango, mais quand on nous invite, nous partons parce que nous sommes des artistes, nous ne sommes pas là pour des conflits, tout ça, bah toi, bah tenter. Je travaille avec Bellevue parce que quand je lui rends des services, elle me paye pour ça. Elle me demande mon service, je vais, je travaille, on me paye pour ça. Très bien. Donc travailler avec Bellevue ne veut pas dire que arrêter de travailler avec les autres, non. Non, non. Nous, on passe pas la télé parce qu'on est avec Bellevue, parce que on passe du temps avec elle, que tout va nous finir à Batumisusu. Elle ne le permettra pas aussi. Et puis, c'est un manque de respect vis-à-vis des fanatiques. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons polémique. Très bien. Alors, en lieu place tout ça, la polémique, unissons-nous. Tout tombe là. Cinéma, nous avons dit que nous avons very strong. Vous dites peut-être que tout passé du temps. Ils ont fait perdre le temps pour rien. Très bien. Ouais, voilà. Voilà. Est-ce que Bellevue a une fierté pour la nation congolaise aujourd'hui? Bon, parmi tant d'autres, elle fait partie. Elle fait partie parce que avant, nous avons minimisé Bassi. Moi, si à cause elle est déventée, peut-être il y a Bamakambo, surtout dans le secteur à production, c'était plus réservé aux hommes.
Mais une dame qui était à l'INA, elle a ses propres matériels, elle a sa maison de production, elle a une chaîne qui a vraiment une audience, ça il faut qu'on se le dise. Très bien. Donc c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Voilà. Voilà. Particularité à Bellevue-Zani. Comme Azali, exemple à suivre. Elle est sociale. Particularité, okay. Nae Eza, elle est travailleuse. Elle aime le travail. Et elle considère les autres, quels que soient les moyens ou les possibilités qu'elle a, elle sait mettre les autres à leur place. Et puis elle est très sociale, très sociale. Donc elle ne peut pas supporter voir Mouninga Moussous une difficulté, tout n'a pas si mou quelconque. Elle peut même sortir l'argent de sa propre poche pour nous aider. Ça, c'est vraiment une bonne qualité au Batfou Bazanango. Au lieu de travailler avec des gens au lobby, ceux qui osent un problème, les gens s'en foutent. Ça, esprit wana, y a humanisme wana, c'est vraiment une bonne chose. C'est une qualité. Merci beaucoup. Ouais, voilà, merci. Merci. Je m'en fous. Thank you.
Daï, daï. Daïli, apparemment, tu parles pas trop. Hein? Trop réservé. Travail, donc, Focus travail. Focus travail. Mais apparemment aussi, tu as toujours été comme ça. Je pense qu'on y a parlé. Et puis, vous savez, dans un milieu pareil, il faut beaucoup écouter, il faut beaucoup parler. Ah, donc, oui. On écoute le briefing, on écoute ce qui est nécessaire pour le travail. Les à côté, c'est un peu après. Daïli, une fois aussi, bah, y a ça, okay, des fois, tu joues comme Bellevue. Ouais, d'ailleurs, on me dit que je ressemble à maman Belle. Ah, ok. Ah, tu ressembles à maman Belle. Et ça te fait comment, des fois, lorsqu'on te compare avec Belle? Non, c'est pas une comparaison, en fait. C'est une ressemblance, un compliment, mais c'est pas une comparaison. On ne peut jamais comparer Bellevue et Daïli. On ne peut jamais comparer sa mère et sa fille. Hein. La comparaison n'est pas raison. La comparaison n'est pas raison. Très bien, Daïli. Voilà. Tonton Junior. Toujours. Mon travail, donc, qui s'y a. Il y a succès, il y a visibilité, il y a travail. Ok. Donc, fétiche Moussouezate. Fétiche Zara Moussala. Moussouezate. Gris à Moussala. Est-ce que tournage sera facile? Tournage facile? Les gens, Moussala est comme déjà routine, hein, parce que tu dois te réveiller le matin, faire le programme, aux autres transports, au yacht. Nous qui n'avons pas de voiture, faut avoir moto. Au coma, partout, adresse les alliés. Tu te renseignes au commis, tu finis ton travail. Tu plies bagages et puis tu rentres à la maison. C'est vraiment donc temps et tournage. Esprit Nayo, ma bande de nous, on fait ça car focus dans le tournage. Okay. Donc on oublie tout ce qu'on a fait hier, on oublie tout pour que le personnage n'a besoin d'être vraiment à l'aise dans la peau. Okay. Entre couper action au préféré Annie. Je préfère couper okay. parce que à travers couper et permettre à ka metteur en scène à souffler biso ba makamusu soue koko échapper biso parce que ressouffler loko moko les gens ne sauront pas que malobobimi c'est qui est un metteur en scène et action j'aime ça après avoir été ressourcé par le metteur en scène et j'aime ça parce que tant bâché action ils a top pour que Nabimisa Sikoyo, Makambo, metteur en scène à Pessinga. Donc, couper action entre Wana, c'est vraiment un moment magnifique. Il y a écoute surtout, parce qu'il faut qu'un metteur en scène bien pour que oh, incarner personnage non bien. Ce n'est pas parce que tu es connu aux Junior, ou Yana Seno, Salaka, Oyo, Ngi. Très bien. Donc, le metteur en scène est le dieu du film. Dites Awa, Maman Bellevue, c'est elle la déesse, parce que c'est elle qui. Qui a eu l'idée, c'est elle qui nous oriente inspire, les qui choses. Nous oriente, okay. qui nous donne des paroles clés, fortes, qui ont suscité le roman dans le public. Donc il faut vraiment écouter ma casse, la metteur en scène, la scénariste. Ouais, Nalinga, moi, au solo, aux alliés parmi ceux qui ont vraiment donné leur vie jeunesse aussi dans Moussala Théâtre. Qu'est-ce que vous retenez de Bellevue Kondi? La seule chose, c'est une dame travailleuse, dynamique et sociale. Donc, elle a plusieurs qualités et humanisme. Elle sait se mettre à la place des autres, en fait. Ça, c'est bien. Parce que Mbaloba, dans le résumé, les locaux. Mozuya passe à Eba Papasi Abaninga. Je résume par là. Très bien. Merci. Mozuya passe. Aïbara Passi Abaninga. Elle sait se mettre à la place des autres. Ça, c'est magnifique. Parce que dans Moukilio, quand les gens ont des problèmes, quand les gens. Problème, ils ont la maladie. Problème, ils ont la personnellement. J'ai fait beaucoup de temps, je ne passais plus. Mais à travers Bella Production, je suis revenu là, et tout le temps sur la brèche. J'ai Zongi. C'est une bonne chose. Il faut être reconnaissant. Dans mon tour, attendre la main pendant que tu étais dans la boue. Tu en avais déjà là. Et ça, le roi rescousse. Donc, et ça, la razouate. Ce qui est au Koumisate. Mais ça, le roi, Ndenge Makambouza. Donc, tant pis pour ceux qui vont mal interpréter parce que les gens ont toujours l'habitude de mal former, déformer tout ce que nous disons. Donc, là, vraiment, on s'en tape. Merci beaucoup. On s'en tape. Merci beaucoup.